Messieurs dames, <laughs> avant de commencer cette critique, cette analyse de l'épisode 7 de The Boys, qui est pour moi, il y a beaucoup de choses à dire. Même si finalement, c'est pas l'épisode qu'on retiendra le plus, il s'est pas passé tant de choses que ça, mais il s'est passé des choses suffisamment importantes pour que euh, on arrive à l'épisode 8. Techniquement, ce n'est pas l'épisode que j'ai préféré. Les pions se mettent en place, mais il y a beaucoup de choses qui me titillent quand même sur le traitement de certains personnages ou sur la manière dont on le dit depuis le début de The Boys, etc. Il y a certaines narrations qui étaient potentiellement inutiles ou qui ont été rétablies tout de suite. Je pense que vis-à-vis -vis de Frenchy et Kimiko, par contre, vraiment, on a, on a pris des raccourcis énormes. Ça se demandait s'ils n'ont pas un peu foutu en l'air euh, euh, les, 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 les personnages, parce qu'on on fait deux pas pour reculer de trois, puis finalement... On... On loupe énormément, je trouve, d'axes narratifs au, au, autour de Kimiko, euh, Frenchy et, et autres. Mais on va, euh, on va en parler. Euh, je voudrais, euh, avant de, euh, de, de, de passer à, à la critique, euh, vous proposer euh, euh, 22 secondes de silence. On a subi une perte énorme. Je ne sais pas si le monde de The Boys aujourd'hui sera le même après ça. Ambrosius n'est plus. Il y a eu une dispute. Il y a eu des mots échangés. Des choses que peut-être les deux ne pensaient pas forcément. Et... C'est parti, je vous propose 7 secondes de silence pour... Pour Ambrosius qui nous a quittés dans un dernier soupir. Je t'aime, Kevin. The Boys, épisode 7. Ambrosius est morte. <laughs> L'émotion était palpable. Euh, alors, on va y revenir parce que ça, c'est pareil pour le coup. Je trouve que. Euh... <laughs> Je ne je, je, je sais, sais pas exactement ce qu'il en est, moi, de, de, de cette saison. J'ai euh, euh, beaucoup de difficultés, en fait, à voir certaines narrations qui ont été tellement passées sous silence au détriment d'autres, où on sent que là, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses à traiter. Et euh, voilà, des choses qui reviennent un peu euh, comme un cheveu sur la soupe où on a malheureusement, je trouve en tout cas, pas suffisamment de matière et de background pour véritablement être happé dans l'histoire. On peut commencer par la relation entre Oedipe et Ambrosius, par exemple. Euh... Euh, parce que. Euh... Alors qu'Ambrosius soit morte ou pas, évidemment, on fait la vanne, mais on la laisse pour morte dans l'épisode. De là à ce qu'elle soit véritablement morte parce qu'elle a manqué d'oxygène, sachant que bah euh, dans la séquence, je crois juste avant, elle était au plumard en train de, de, de lui lire de la, de la très très belle littérature pendant un petit moment. Ça se trouve, elle n'est pas morte du tout. Voilà, enfin, On ne sait jamais, on verra un petit peu comment ça se passe. Mais euh, voilà, le traitement autour de The Deep et le traitement autour de Black Noir sont des choses que je voudrais euh, évidemment euh, discuter euh, tout de suite parce que effectivement, on a eu en début de saison quelques épisodes qui témoignaient de cette idée de beaucoup de manipulation. On sent qu'il y a énormément de manipulation et que tous les personnages en fait sont extrêmement naïfs. On parlait de beaucoup de protagonistes. Il faut rappeler à quel point énormément le sont. The Deep l'est énormément. Le Homelander continue de l'être. On le voit là avec Firecracker, il est d'une naïveté énorme. Moi, bon, il y a des choses qui me perturbent quand même, c'est de me dire qu'en fait, le Homelander n'a jamais pu véritablement être lui-même. Le Homelander, dans cet épisode, on le voit, hein, il le dit, il est d'être supérieur, il essaie de se convaincre qu'il est le plus intelligent, le plus sage, le plus supérieur, etc. Il y a quand même un truc à rappeler dans la saison 1. Il était un peu le pion de, de, de Vought, et puis des PDG, et puis de la, de la nana là justement, euh, qui était un peu euh, son, son, son complexe, de enfin, complexe un peu de deep euh, assez particulier. Dans la saison 2, c'était Stormfront qui prenait complètement le dessus sur lui, euh, et puis qui arrivait à le manipuler, etc. Alors il y a de la manipulation, de la fascination, de l'amour, il peut y avoir plusieurs choses, mais il reste quand même assez manipulable. Là, il était manipulé par Sister Sage. Pareil pour Firecracker derrière. Au final, il termine plus ou moins par se retrouver tout seul. C'est quelqu'un qui est quand même assez manipulable et naïf avec son besoin d'amour, etc. The Deep, c'est pareil, mais The Deep, lui, c'est parce qu'il est foncièrement débile vis-à-vis -vis de euh, ce que pouvait lui dire notamment euh, Sister Sage, où on apprend que Sage lui a fait exactement le même coup avec Black Noir. Euh... Il y a énormément de narrations, en fait, je trouve, qui soit tournent en rond, soit prennent des virages à 90 degrés, alors qu'on n'a pas... J'ai le sentiment qu'on n'a pas... Euh, tous les tenants et les aboutissants. On sait pas. Enfin, on sait que The Deep a eu cette relation avec Ambrosius, et puis on sait que voilà, il va avoir un, une relation avec Sage parce que Sage lui dit les vraies choses et qu'elle le prend pour quelqu'un d'extrêmement important et qu'elle lui dit voilà des choses que lui a envie d'entendre comme quoi il est spécial et ceci et cela. Certes, mais je trouve qu'on manque. On est en surface on manque de développement à l'intérieur pour arriver d'un point A à un point B. C'est la même chose, par exemple, pour... Là, il pète un câble quand même au point de laisser Ambrosius potentiellement mourir. Je considère personnellement que c'était peut-être plus intéressant de creuser davantage cette relation-là et de creuser les questionnements de The Deep avec Sage pour qu'au moins à un moment donné on comprenne pourquoi il en arrive à quelque chose d'aussi drastique, parce qu'on le sent qu'il ne le vit pas bien et que ça le perturbe énormément, et que là, il a eu un côté, passé du côté obscur, aussi s'il faut tuer des gens pour la satisfaction du homelander, il le fera. C'est un peu la même chose pour Kimiko et Frenchy. Frenchy, Colin, on ne le voit déjà plus, euh, on sait qu'à un moment donné, euh, il s'en veut pour tout un tas de choses, ça a été passé euh, sous silence pendant quelques épisodes, etc. Là, euh, on l'a vu euh, par la suite. Alors, c'est lequel, Zach, ton commentaire En fait, tu sens que c'est une saison de transition pour V et la saison 5. C'est un peu ce qu'on se disait. Ouais, un peu, moi, je vois toujours ce côté de saison de transition, avec des très bonnes phases et des choses intéressantes, mais qui transitent vers ce que sera possiblement le, euh, le, 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 la saison 5, la saison finale. Donc, c'est ce que je disais. C'est la même chose pour Frenchy. Frenchy et Kimiko, il y a eu des... Euh, voilà, y a eu des euh, des désagréments, il y a eu des divergences d'opinion, il y a eu des éloignements, beaucoup de choses dans ce délire-là. Ok, certes. Euh, mais euh, bah, je ne pense pas forcément pour le spin-off, Soul. Ouais. Moi, c'est plutôt pour la saison 5. C'est pour ça que je parle de la saison 5. Jenvie, moi, je vais même te dire, Soul, je suis assez d'accord dans le sens où Jenvie, je pensais qu'on en parlerait plus. Là, on, est à, on a fait 7 épisodes de The Boys je pensais vraiment que Genevieve aurait eu un rôle plus important soit sur les deux personnages qu'on a vus au moins une fois et qu'on fait un peu de promo là pendant le 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 comic, le, le, le con euh, voire même sur l'impact des sept ou autres là je, je pensais vraiment qu'on les aurait plus mais oui Frenchy on a eu tout ce développement là Colin maintenant on le voit plus ça a été plus ou moins résolu et il y avait quelque chose à faire vis-à-vis -vis de Frenchy je trouve en prison et là on arrive et tout de suite on avait un point A un point B on a tout relié c'est-à-dire il se sent pas bien il va se livrer en prison on fait un épisode, on ne le voit pas. L'épisode d'après, il est déjà sorti. Et je trouve que narrativement, ça va trop vite. J'aurais bien aimé voir Frenchy en prison, le voir en introspection, le voir travailler le personnage, le voir avoir peut-être une... comprendre pourquoi il refusait d'avoir Kimiko. Alors il le dit après, mais vraiment plus travailler ça, plus euh, plus ressentir ces choses-là. Je trouve que c'est... tout est... Dans cette saison-là, malheureusement, comme il y a énormément de choses, tout est allé trop vite. La mort de Simon Pegg la semaine dernière ou la semaine d'avant a été expéditive aussi. Ça a duré un épisode, l'intrigue autour du père de Yui. Je trouve que c'est trop abrupt. Et comme il y a 10 000 trucs à, à discuter dans cette saison, euh, bah on commence à se dire, comme Morty, par exemple, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient dispensables L'arc autour de Colin et Frenchy, je ne sais pas s'il est dans les comics. Alors, s'il si est dans les comics, peut-être qu'on devait le mettre. Oui, je trouve que vu ce qu'on en a fait, c'était dispensable. Alors que pour le coup, l'arc avec Kimiko, dont là, dans l'épisode, dans on apprend justement euh, pourquoi. Euh, euh, pourquoi euh, elle est muette, etc., ce qu'elle avait fait jeune, avec des, des, des phases quand même assez importantes de, euh, de, 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 de flashback, et puis que les deux vont finalement réussir à se retrouver, c'est une belle séquence, mais c'est une séquence qu'aurait aurait mérité beaucoup plus d'écriture, avant peut-être moins de rush, peut-être plus de phases avec Kimiko seule, où on la voit partir dans ce principe de narration-là. Vais... Alors, OK, il y a que huit épisodes, ils peuvent pas tout faire. Mais là, si tu supprimais par exemple l'arc de Colline et que tu mettais Frenchy, euh, qui aurait pu avoir le même trauma pour autre chose, par exemple, je ne sais pas, moi il aurait pu avoir un trauma de toutes les personnes qu'il a tuées avant, des choses qu'il a pu faire, mais tu retirais Colline, tu t'accentuais plus Frenchy autour de Kimiko sur le passé de Kimiko, là tu avais un peu plus de temps. Je trouve que c'est pas très bien écrit parce qu'au final c'est statu quo. On passe toute une saison où tu arrives à l'épisode euh, 8 de la saison 3, bah là on est à l'épisode 7 de la saison 4, ils n'ont pas évolué du tout. Il euh, n'y a pas eu d'évolution du tout. Ils se connaissent un peu plus, mais il n'y a pas d'évolution. On a des renseignements sur ce qu'ils ont vécu, mais on n'a pas d'informations. C'est la même chose avec Ryan. Ryan qui commence un petit peu à se rebeller et euh, bah, se dire qu'à un moment donné, il n'a peut-être pas forcément envie d'être là. Même s'il si n'a plus de grief contre son père, on sent que l'absence de son père lui manque hein, quand il est au, au, au puppet show, là, le, le, la petite parodie des puppets. Et comment ça va, Rawin actuellement posé devant un Morito framboise en immense légende, j'espère, servi par Coach Ricardo. Si tu connais bien l'idée, évidemment, euh, du Coach Ricardo, bien sûr. Non, ça c'est vous qui le dites. Et merci mon Renaud pour le raid. Renaud qui était sur Game of Thrones, la réponse est oui. Euh, j'ai entendu hier que tu me posais la question, j'ai pas eu le temps de répondre. Oui, j'avais fait le jeu sur Twitch, il est incroyable, le Game of Thrones tel tel. Mais euh, ouais. Ryan, c'est intéressant parce qu'on sent que sa mère lui manque, on sent qu'il a vraiment envie de faire les vraies choses, qu'il veut dire la vérité, qu'il n'aime pas le mensonge, qu'il veut faire ce qui mérite d'être fait, que l'absence le, le, de, de Butcher et l'absence de Becal l'impactent énormément, que l'absence de, de du Homelander quand il est pas là parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il a trop de boulot l'impacte aussi, c'est bien. Mais en fait, c'est pareil, c'est Ryan, je trouve que là, pour le coup, y a... y... c'est trop rushé. En fait, c'est marrant parce qu'il y a tellement d'axes que je trouve que cette saison a été rushée. Ryan, pour être tout à fait honnête, ça c'est mon avis de spectateur et d'analyste, j'aurais préféré qu'il commence à se poser des questions la saison d'après. Là, j'aurais préféré qu'il pousse à la haine au maximum. Parce que le truc, c'est qu'on a eu trois épisodes où il n'était pas d'accord. Le Homelander revient euh, euh, plus à l'écoute, etc. Et finalement, Ryan est d'accord. Et c'est même lui bah, qui commence à prendre le parti de faire des choses un petit peu plus... Euh, euh, Néfaste pour le bien commun, il veut faire le bien, mais quand on voit avec le réalisateur comment il se fout de sa gueule, on sent qu'il y a une côté de lui comme ça et qu'il a une certaine satisfaction quand même. Et là, d'un coup, il se repose des questions. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est trop rushé C'est trop roché, c'est un peu trop euh, euh, espacé. En plus, il y a des épisodes, des fois, où on ne parle pas du tout de certaines intrigues. Ça revient après, on sent déjà que la donne Elle est différente. J'aurais préféré qu'il revienne un peu plus dans le, dans le côté de la nuance, mais plus tard dans la saison 5. Que là vraiment on sente qu'il accepte le côté du mal, quoi. Après pour rien on parle d'un homme élevé sous cloche, les huit premières années de sa vie avec des traumas en pleine adolescence et construction identitaire sans modèle stable. Oui mais c'est ça qui aurait dû être travaillé. C'est la girouette d'un point de vue extérieur mais cela reste un gosse totalement paumé, cela sans le rush car faiblesse d'écriture globale. Mais je suis entièrement d'accord. Mais justement c'est là où j'allais en venir, c'est que ce côté gamin paumé triste, bah, qui n'a pas de parents, enfin, je veux dire, le Homelander, c'est son père, mais il ne l'a pas connu depuis longtemps, qui a été élevé d'une manière très particulière, euh, qui, euh, bah, qui, qui va rentrer dans l'adolescence, qui sait pas s'il si fait le bien ou le mal. Ça méritait de l'écriture. Comme disait Soul, Ryan, on devait en avoir beaucoup plus. Bon, il méritait beaucoup plus. Donc, euh, donc, euh, donc forcément, ça, pour moi, c'était euh, important. Alors que, à contrario... Comment dire du mal de, encore une fois, l'écriture du Homelander dans cette saison et celle de Butcher Butcher, avec encore une fois la présence, ça tu vois, Soul, je te l'avais dit, hein, je m'en doutais qu'à mon avis, Jeffrey De Morgan, on le reverrait, avec la présence de Jeffrey De Morgan, qui même de temps en temps peut avoir un peu de nuance. Parce que justement, on se rend compte que Butcher a aussi besoin de son côté obscur. Même si là, Jeffrey Dean Morgan est beaucoup plus virulent et que lui, il veut juste le chaos et l'extinction, etc. Et bien, bah, on voit que par moments, le côté obscur, bah, c'est peut-être utile pour ne serait-ce que de la survie. Ça, c'est une écriture qui est intéressante. Mais on voit que Butcher, c'est très bien écrit. Et qu'ils ont tout misé là-dessus. Ça fait partie des choses que j'appelais euh, un peu les, les dépendances de, euh, de, 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 de boys, des garçons. Bah, c'est que oui, je pense que moi, il y a une dépendance. Au Homelander euh, et à Butcher, avec l'utilisation de Jeffrey Dean Morgan, qui est extrêmement puissante et pertinente comme Becca, comme les deux faces en fait euh, d'une même personne, d'un côté clair et obscur. Je ne sais pas si tu as vu le spin-off Diabolical, mais il y a un truc qui est lié à Butcher. Je ne savais même pas qu'il y avait un spin-off Diabolical. C'est en animation C'est le spin-off animé, Zach Butcher peut se mettre Ryan dans la poche maintenant, on en est sûr. Je pense que Ryan, à un moment donné, devra faire un choix. Ce que je pense aussi, c'est que le choix de Ryan et ça, on pouvait le faire plus tard. Pour que justement, là, il embrasse un petit peu plus le côté de son père. Je trouve que tout, tout arrive trop précipitamment. Ah, tout est un peu trop haché. L'une des écritures que j'aime bien, par contre, que je trouve assez cohérente, c'est celle de la crème. La crème, avec le fait que là, il, soit, voilà, qu il ait fait une attaque, qu'il soit physiquement usé. Moi, j'apprécie l'idée, par exemple, que dans cette saison, la crème ait été mise en avant. Euh, Mother's Milk, dans les trois premières saisons, il est important. Il a même des séquences un peu running gag, mais pas euh, aussi important que les autres personnes, des garçons. Là, il est vraiment mis en avant. Et j'aime bien le fait qu'ils le mettent en avant comme ça, avec euh, la possibilité de partir, de rejoindre sa famille, mais euh, aussi justement cette impossibilité liée à la simple idée. Et ça, c'est intéressant de se dire peu importe le vainqueur, il n'y aura jamais de gagnant véritable. Parce que c'est une guerre qui continuera tout le temps. C'est des gens, euh, c'est des gens qui sont, euh, qui sont bah, toujours dans le, qui sont toujours dans le, 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 le... dans le questionnement. C'est des gens qui sont toujours dans le chaos, qui sont toujours dans le combat, dans la lutte. Et ils se rapprochent beaucoup de, comment ils s'appellent euh... Ça va me revenir. A Train. Je trouve que le, ra le rapprochement entre la crème et A Train, c'est deux types de rédemption différentes. T'en as un, il essaie d'avoir sa rédemption pour sa famille et pour lui, parce que là, il commence à faire des choses pour le bien et il s'est réveillé, et t'as la crème qui, qui lui aussi essaie de faire des choses un peu plus nuancées, et qui, bah, pareil, se bat pour sa famille, et qui essaie d'avoir une rédemption pour, euh, bah, sa, pour sa femme, pour sa fille, et pour pouvoir se permettre en fait d'avoir euh, une fin de vie où il puisse profiter des gens qu'il aime. C'est des gens qui se sont rendus compte que cette vie-là n'était plus pour eux, des deux côtés même s'ils étaient de deux côtés séparés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, mais pour moi, personnellement, la meilleure écriture de la saison 4, c'est A Train. On le voit pas beaucoup, mais je trouve que en termes de, 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 de mise en place d'écriture, d'intelligence d'écriture, de la manière dont ça se fait d'acting, on n'en parle pas, mais il a un acting assez touchant et émouvant. Hein Quand il parle, à... c'était sur le, 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 le thème de la fierté. Quand il parle à Mother's Milk et qu'il lui dit, mais tu te rends compte, grâce à toi, j'ai vu un enfant qui me regardait, il n'y avait personne, pas de médias, rien, et il me regardait comme un héros, et je suis parti, j'ai eu le sentiment du devoir accompli en, en sauvant quelqu'un, et pour la première fois de ma vie, j'ai été fier de ce que je faisais, c'est hyper émouvant. Est-ce qu'il faut se rappeler de d'où vient A-Train A-Train, qui était un drogué, qui avait tué des gens, qui était complètement psychopathe, je me demande pas s'il n'avait pas eu des trucs de viol ou des conneries comme ça, euh, qui, qui avait perdu beaucoup de proches, enfin. C'est un mec qui avait vécu énormément de choses, qui a été viré des sets pendant un temps. dit euh... et te il dis... et, et y, y a une séquence que je trouve intéressante, euh... c'est que au moment où le Homelander apprend que c'était A Train la balance, il est en larmes. Et en fait, je l'ai analysé de deux façons. Je me suis dit il doit être en larmes parce que tout part en couille et que, en fait il a perdu le contrôle et qu'il a dû se poser des questions. Merde, je suis pas un bon leader, ceci, cela. Mais malgré tout, je pense que pour le Homelander, se dire qu'un mec comme A-Train, qui est là depuis aussi longtemps, à qui finalement il faisait peut-être un minima confiance, et pu le trahir, ça doit lui peser. Parce qu'il a besoin de ses sentiments, il a besoin d'affection, il a besoin d'être le leader que tout le monde suit, etc. Et là, voir que c'est A-Train, je pense qu'en termes de passif. Euh, dans les sets, et puis de, de choses comme ça, même s'ils ne s'apprécient pas et qu'ils ont eu des griefs, etc., et que je pense que pour le Homelander, uh, A-Train, c'est peut-être un peu un rigolo, il bah, y a ce côté euh... Ah merde, putain, en fait, euh... la vache, genre c'est possible ça Genre m'a vraiment fait ça Donc, euh... donc ouais, non, moi j'aime beaucoup le... j'aime beaucoup l'évolution de A-Train. Il y a y A-Train a de toute façon qui est hyper pertinent, il y a euh... Butcher et il y a le Homelander. Et c'est vrai que pour tout le reste... Alors, si le, 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 le jeu entre Firecracker et Sister Sage pour savoir qui aura le, 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 les faveurs du Homelander était plutôt bien écrit aussi, parce que c'est un jeu de, de dupe, c'est un jeu un peu à la Game of Thrones, hein, c'est-à-dire on est vraiment dans... Euh, bah on va essayer de le manipuler le plus possible bah pour que justement il soit totalement... Euh, euh, que, que le Homelander soit totalement euh, bah dans, le, dans leur camp. Sister Sage le faisait parce que Sister Sage, je pense qu'elle voulait essayer de vraiment bien faire les choses pour le Homelander, mais il y avait ce côté aussi possiblement manipulable. Euh... Et puis, euh, bah, Firecracker, où il y a ce côté, elle, a, elle arrive à le manipuler parce qu'elle a ce qu'il faut pour, mais elle a une fascination et une euh, un amour, je pense, pour le Homelander, un fanatisme qui est réel, pour le coup. Oui, car I Train est dans les 7 depuis longtemps, mais c'est surtout que narciss... euh, narcissique comme il est, le fait de se faire quitter est insupportable. C'est pour ça que je pense qu'il y a ces deux-là. C'est genre, pour lui, c'est insupportable de se faire quitter et puis que les gens se disent « Ah merde, tain, euh, encore une fois, je ne suis pas le leader que je pensais, j'ai besoin qu'ils me respectent tous, qu'ils me voient comme le roi. Euh, » Parce que, ouais, il est euh, ultra égomaniaque. Là, euh, j'ai euh, le paternel là, qui regarde depuis quelques temps The Boys, là, qui se refait les saisons. Quand on voit quand même que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 2… Le... le métamorphe euh... enfin alors pas un métamorphe comme on a vu là un métamorphe qui peut changer de corps de manière bien plus simple parce que là on est sur un on a vu d'ailleurs un, euh... un nouveau enfin un nouveau personnage. On a vu un personnage dans l'épisode 7 là où euh, ça se retire carrément la peau pour devenir un autre protagoniste qui était bien gore mais euh... mais plutôt bien fait je trouve c'est intelligent de faire un métamorphisme comme ça. Mais euh... le métamorphe de la saison 2 au moment où il meurt, c'est parce qu'il se met en homelander mais parce que même lui il a compris qu'en fait le homelander, il n'y a rien qu'il aime plus que lui-même. Il n'y a rien qu'il aime plus que lui, il n'y a rien qui le fascine plus que lui. Il est omnubilé par lui-même. Le pouvoir est intéressant sous. Le... J'aime bien l'idée que le, 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 le morphisme comme ça, il le retire par des lambeaux de chair et tout. C'est assez crade, mais je trouve que c'est bien bien amené. Sur un truc qu'on a déjà vu mille fois, hein, les changements de physique, etc. Pour Homelander, les 7, c'est sa famille, il les traite comme de la merde, mais c'est son seul entourage, il tient à eux à sa manière narcissique. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Alors que pourtant, quand il est avec The Deep, quand il dit à The Deep et, euh, et à, à A-Train, allez, The Deep, tu vas sucer, Train. Mec, il fait que des dingueries, hein, mais. Euh... C'est très graphique, mais très cohérent. Bah, ça a un côté graphique un peu comique, je trouve. C'est un truc, ça, que tu pourrais voir dans des planches. Et j'aime bien, moi, voir ça dans The Boys. Je trouve que The Boys de temps en temps on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est plus dans l'analyse et dans les théories mais il euh, y a une manière de réaliser de The Boys je trouve qui est assez graphique euh, et assez comic book et moi j'aime beaucoup ça en vrai. C'est un truc que me fait beaucoup Zack Snyder aussi. Zack Snyder de temps en temps tu l'impression que limite tu peux voir des pages de comics quoi. Donc moi j'aime bien ça. J'aime bien. Je trouve ça hyper riche. C'est une des raisons pour lesquelles Ashley ne part pas. Elle sait que ce sera fini d'elle. elle sait que ce sera fini d'elle si elle part, car il la traquera. Il ne tolérera pas que des super partent alors un insecte qui lui pense tout acquis depuis des années. no way. Ouais exact, exact. Par exemple, par exemple. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui peuvent pas. Qui peuvent pas se permettre. Depuis la saison 2, c'est le build-up de la dynamique entre The et Ashley. Ils n'ont pas encore eu de scène juste en duo cette saison. J'en attends une pour le last épisode. Bah, Ashley a une très bonne écriture aussi. Il hein. y, y, y a une session de toute façon avec Ashley qui est hyper intéressante. Parce qu'on sent que. Euh... Ouais, d'un côté, euh, elle est euh, vraiment euh, bah, dans son. Euh... Comment dire elle est vraiment dans son délire encore de d'être à la tête de vote etc. Même si elle fait plus rien et que c'est plus qu'un objet, elle est toujours PDG, etc. Machin, c'est elle qui gère. Et derrière, elle se fait plaisir avec ces espèces de trucs un peu de fanatisme et de... Comment on dit De... BDSM. Genre vraiment Sadomaso, l'espèce d'échappatoire. Donc elle a cette écriture-là qui est intéressante parce que en fait... Tu sens que c'est quelqu'un là qui a tellement eu l'habitude d'avoir du pouvoir que maintenant le pouvoir et l'autorité, elle l'a dans le sexe parce qu'elle peut plus l'avoir que dans le sexe, dans le sens où on lui en donne plus aucune dans la vie réelle. Et le, le mélange entre la Ashley BDSM et la Ashley, euh, donc fétichiste à outrance, ouais comme à outrance pardon comme dissous etc. Et la Ashley totalement en retrait, n'ose rien et qui est apeuré. Bah, moi j'aime bien son écriture. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup son écriture. Alors après, est-ce qu'elle va avoir une rédemption Je ne sais pas. Parce que est-ce qu'elle aurait le courage d'une rédemption Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Voilà. Est-ce qu'elle euh, est qu va être capable d'avoir une rédemption Ou est-ce qu'elle sera tellement effrayée qu'elle va suivre le navire jusqu'au bout euh, Est-ce que c'est peut-être même elle-même elle, elle qui pourrait. Euh, euh, ou qu'elle qu pourrait balancer A-Train Il n'y a qu'un pas aussi, hein. Elle est complètement choc barre. Le passage où elle propose à a Train de partir ensemble, je te jure. Mais même a Train lui dit "Vas-y, viens, on se casse. Hein. Que ce soit Florence ou ailleurs, euh, vas-y, viens, on se casse." Parce que lui, il le sait. Après lui, son tracker, il l'a retiré. Vous pensez qu'on va le revoir, a Train Genre, dans quel contexte vous pensez qu'on va le revoir, a Train Est-ce que, euh, est-ce qu'ils vont essayer de leur... Oui, de bah, toute façon, oui, ils vont essayer de le retrouver, c'est sûr. Ils vont essayer de le retrouver. À voir, mais... Euh... Possiblement, Moi, je, je, du coup, je me demande... Si, je ne pense pas qu'on le reverra dans le prochain épisode. À mon avis, A-Train, ce sera retour en saison 5, maintenant. Je pense. À mon avis, en tout cas. Ce qui laisse une place de plus. Deux, d'ailleurs. Parce que les sept... Ça, ça, alors ça, pareil, en termes de théorie, ça va être intéressant pour la semaine prochaine. Sage est parti. A-Train est parti. C'est-à-dire que les sept, qui n'étaient que six, sont plus que quatre. Techniquement, il reste The Deep, Firecracker, Black Noir et Homelander. Qui va intégrer les 7 Est-ce que ce ne serait pas l'opportunité d'aller chercher les deux mecs de GenV et de les inclure au 7 la semaine prochaine J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Euh, J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Moi je pense qu'il y, y a une grosse probabilité qu'on euh, revoie les, les gars de GenV la semaine prochaine et qu'ils soient peut-être intégrés au 7 en remplacement de Sister Sage et a Train. Et que eux deux feront partie de la saison 5 régulière. Après, il y aura peut-être d'autres persos, comme Dissoul, il y aura peut-être d'autres persos de comics. Hein. À un moment, Sister Sage, elle dit à Homelander qu'il y a une personne qu'il ne pourra jamais éliminer c'est qui Soldier Boy euh... Possible. Ou Ryan Ryan ou le Soldier Boy tu sentais bien de l'émotion de la part d'Ashley durant la séquence TV de Ryan. Le parallèle avec le discours du Hoblander de la saison 3 était bien fait. Carrément. Mais euh, le discours de Ryan est assez touchant. C'est la manière dont c'est fait, en fait, la manière dont c'est amené, que je trouve un peu trop abrupte. Mais, euh, mais sinon, oui, non, ça reste très touchant. Puis, je vais même vous dire un truc. D'un point de vue purement, euh, alors, de visuel et de mise en scène, etc. Il y a un truc que j'aurais bien aimé, vraiment, hein. j'aurais bien aimé que l'épisode soit un épisode de Noël. Quand j'ai vu le début, je me suis dit, hey, pourquoi ils ne nous feraient pas un épisode de The Boy spécial Noël, où en fait, la vibe de Noël, elle est tout le temps. Et ils essaient d'écrire un truc, en fait, qui prend en compte Noël constamment, en mode full épisode de Noël, truc... The Boys qui fait un épisode de Noël, ça pourrait partir dans un tel délire, mais genre borderline de ouf, et quand j'ai vu le Muppet Show avec la période de Noël et ces trucs-là, je me suis dit « Pourquoi il ne pas le truc, tu vois, en mode euh, « Inclure ces narrations-là, mais carrément dans, euh, dans un épisode de Noël. » Ça, moi, j'aurais bien aimé. Hein. Je pense que Sage parlait du Homelander lui-même, ou bien de John, qui est la partie humaine dont il veut se séparer. Possible aussi. Possible aussi. Il y a des tas de... Le Homelander est un personnage tellement complexe qu'il y a des tas de probabilités et des tas de possibilités, de toute façon. Alors, il y, y a un autre point que je voulais soulever parce que. Faut... Bon, moi, ce n'est pas un des personnages que je préfère, mais pour le coup, là, elle a quand même une importance. Vis-à-vis -vis de Stella, ça met du temps à se mettre en place. Ça met du temps à se mettre en place et quelque part, du coup, ça permet quand même d'aller choper quelques petites informations à droite à gauche. J'aime bien l'idée que, vis-à-vis -vis de Stella, on joue beaucoup sur le comment dire on joue beaucoup sur sa dualité interne on sent que vis-à-vis -vis de stella maintenant il y a euh, la dualité donc de elle en tant qu'humaine et il y a la dualité de elle en tant que euh, super la vision du super c'est la vision que sa mère lui donne par exemple ah, tu t'es fait avorter, tu te rends compte pour la religion, c'est pas bien, qu'est-ce que les gens vont penser de toi Tu devrais être une super, montrer l'exemple pour toutes ces filles, etc., face à des choses qui sont si peu vertueuses. Et euh, tu as le côté vachement humain aussi, euh, euh, en mode, euh, Ah bah tiens, euh, faudrait vraiment qu'à un moment donné, euh, bah, t'acceptes que je suis une humaine avant tout, et que euh, bah, j'ai aussi euh, des sentiments, que euh, bah, j'ai fait ça parce que je pensais que c'était le meilleur, etc. Et euh, moi, j'ai bien aimé cette idée-là. J'ai bien aimé cette idée-là parce que j'ai trouvé que, euh, que l'écriture du personnage était vachement raccord avec les difficultés qu'elle avait eues face à Firecracker. Le fait qu'elle ait eu une, une rivalité avec Firecracker et qu'elle ait été bien écrite, personnellement, me fait me dire que euh, elle commence à avoir une écriture intéressante d'un point de vue humain. C'est un des rares... Alors, étonnamment, ça la rapproche du Homelander. C'est un des rares personnages où l'humain est constamment en... Compétit enfin pas en compétition mais en en regard miroir avec le super. Il y a vraiment deux, deux personnes différentes. Tu as euh, Annie et tu as Stella. Tu as les, vraiment les deux euh, qui sont euh, qui sont un peu la la, la la guerre du point de vue des autres personnages, de la même manière que pour John et le Homelander, tu as le Homelander le super mais tu as toujours des parcelles de John à l'intérieur de lui. Euh, bah, qui, sont, euh, qui sont hyper denses et qui sont les parties humaines. Et ça, ça prouve que c'est une écriture intelligente. Et r 2077 comment ça va Bonjour à tous, je viens d'arriver du live. Alors, tes premières impressions sur Death Stranding En vrai, très cool. Pour être tout à fait honnête, très cool. J'aime bien le, bien le, 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 le concept. Euh, beaucoup de cinématiques. Peut-être qu'à un moment, il faudrait un peu plus de gameplay. Mais très belle cinématique, une manière de réaliser qui est vraiment superbe. Les plans, la photographie, le visuel, toutes ces choses-là. C'est quand même costaud. Pareil pour l'acting. Les cartons de doublage sont énormes. Et je trouve qu'en termes de gameplay, ça va. Pour l'instant, en tout cas, en termes de gameplay, ça va. Donc je suis plutôt pas trop perdu. Mais non, bien. Et comment ça va toi, Mario 2077 non non, vraiment bien, puis, visuellement superbe. Enfin pour un jeu fait en 2019, c'est assez monstrueux. Hein. Alors, il y a un autre Il <laughs> y a un autre passage dont on n'a pas parlé. Ça c'est du The Boys tout craché hein, mais euh... Web Weaver. <laughs> Oh la vache. <laughs> oh merde. Ouais, la, 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 putain. La séquence avec Webweaver, elle est exceptionnelle. Hein. Elle est exceptionnelle. Tu sens. C'est rare le, le, euh, le genre de mise en scène où tu oui, le sens quoi, de toi-même. Tu sens l'odeur du truc. Tu sens vraiment l'odeur. Tu sens le gore. Tu sens le trash. Tu sens que vis-à-vis -vis des personnages, ça suinte. Enfin, c'est vraiment. Euh, c'est euh, une scène qui est assez, euh, assez, même pour le spectateur, assez éprouvante. Puis alors les coups de la du stress, là, avec les filets de toile, les trucs comme ça et tout, là, la catastrophe et euh, la, la, la fatalité du Homelander. Arraché en deux directement, avec Firecracker qui se dit... Euh... Ah bon D'accord. C'est un peu violent là non Enfin, c'est euh, ouais, ouais, si, une scène qui est quand même assez ardosse. Hein. Merci mon R2077 pour le, pour le sub offert à Manurga. Merci beaucoup mon R2077. 303 subs offert par R2077, c'est zinzin. Il est qu'à 50 subs de la barre des 300 euh, de la barre de Renault. Euh, c'est énorme. Il est à 47 subs de la barre des 350, c'est énorme. Merci mon R2077. En légende, le top 5. Même Firecracker n'arrive pas à contrôler Homelander. Non, de ouf. Mais... Euh... Ok. Mais... Euh, le. Non, oui, on sent... Sort... Mais je pense pas que Firecracker euh, imaginait ça non plus. Ça se trouve, elle imaginait pas une telle violence gratuite. Peut-être qu'elle y était en mode... Euh, Webweaver ne va pas mourir. On va pas le tuer pour ça, il va juste nous donner les informations qu'il veut et il sera jugé. Au final, elle s'attendait pas à voir un mec se faire couper en deux, mais n'importe quelle personne normalement constituée. En fait, c'est même pas. Je pense que ce qui la choque, c'est même pas que le Homelander le tue, c'est la façon dont il le tue. Tu vois, si on se rend compte en fait de la capacité du Homelander de prendre un mec par la gorge et à une main l'ouvrir en deux, quoi. C'est en fait c'est ce, ce genre de séquence là où tout 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 tout, tout prend en configuration. Le fait que par exemple, ils veulent faire du, du, euh, du composé V, enfin, du, du, de, un, euh, pas l'antidote, mais le, ils veulent faire du composé qui est capable de tuer les super, C'est à cause de. Oh putain oh, Pareil. Pareil. Il y a quelque chose que The Boys fait très bien c'est lier le gore, les situations difficiles, avec toujours quelque chose de décalé, mais de touchant et émouvant. La scène de Frenchie et Kimiko, quand Frenchie coupe la, coupe la jambe de Kimiko, que Kimiko ne puisse pas hurler, que la musique, ce soit Still My Sunshine qui était présent dans Mr. Robot qui n'a rien à voir avec le procédé actuel et qui lui offre un petit doudou et tout, j'ai trouvé ça aussi gore et triste que touchant et émouvant. Je trouve que là, la mise en scène est très forte. L'idée, l'idée même est très cool et c'est un truc que fait très bien The Boys, ça. Moi, ça, j'aime bien. Honnêtement, ça, premier degré, euh... premier degré, j'aime beaucoup. Mais, euh... mais euh... ouais, non, pour revenir au Homelander, je pense que c'est là... Qu voit que bah, s'ils si font du du du, du, des, 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 du poison et s'ils savent que le poison ne peut pas tuer le homelander parce que même ce poison là n'y arriverait pas il faut euh, pardon. il faut ce genre de euh, il faut ce genre de scène pour montrer à quel point le homelander est surpuissant cette scène là est aussi capable enfin est aussi là pour montrer à quel point le homelander est un personnage euh, d'une du, du, une puissance hors norme que personne ne peut toucher. Et, et il faut que le spectateur le voie, comme, comme les autres personnages le voient pour qu'on se dise ah on comprend pourquoi il faut tout ça. C'est à dire que le Homelander, l'a sans forcer. Euh... C'est une dinguerie quoi. Elle n'est qu'une source de lait et confort maternel, sommes toutes dispensables au fond. Il a fait euh, 100 pendant plusieurs saisons et Homelander comprend bien que pour le reste, elle n'est pas à la hauteur ou reliable. Ah bah oui, oui, oui bah complètement. Complètement. C'est euh, Mais par contre, Firecracker l'utilise. C'est-à-dire qu'il est friable quand même, le Homelander. Parce que le Homelander, lui, il sait que, bah, il l'envoie chier hein. de toute façon. Il lui dit, à un moment donné, casse-toi. Quand il envoie chier tout le monde, il lui dit même, dégage, elle lui met les, les, les seins sous le nez. Il lui dit, non, non, mais casse-toi quand même. Le Homelander le sait. Mais Firecracker, elle sait qu'elle a un argument quand même à lui donner. Donc, même si c'est que du fanatisme ou ceci ou cela, Firecracker sait qu'elle a un élément qui fait que à un moment donné, elle est capable aussi de l'utiliser à son bon escient pour elle, c'est-à-dire à, à l'encontre de Sister Sage, puisque c'est quand même en grande partie à cause de Firecracker que l'Homelander dégage euh, Sage. Donc, il y a toujours ce rapport. Hein. Pour tuer l'Homelander, il faudra d'office le Blast de Soldier Boy. Ne serait-ce que pour diminuer son système immunitaire afin de pouvoir user du virus. Bah, il faudrait au moins ça, parce qu'on sait que le virus est efficace quand même. C'est-à-dire que Kimiko, elle passe pas loin de la correctionnelle. Mais, euh... mais oui, non, il faudrait, il faudrait au moins ça. Il faudrait au moins ça. Je pense que ça se terminera avec le Soldier Boy dans tous les cas. Maintenant, je n'imagine pas, moi, le Soldier Boy tuer le Homelander. Pour moi, le Soldier Boy revient pour mourir. Je ne sais pas comment, mais je pense que le Soldier Boy revient pour mourir. Des mains du Homelander. Et je, je, je vois bien, moi je verrais bien Butcher tuer le Homelander. La, la suite logique pour moi, narrative intéressante, ce serait Butcher qui tue le Homelander. Reste à savoir comment. Virus ou pas virus, ça c'est encore, encore un autre débat. Alors, il y a une séquence aussi euh, euh, qui, qui, aurait, qui pour moi aurait pu être pas mal. Euh, et je vois pas pourquoi c'est pas allé plus loin. Il faudrait peut-être que vous me le disiez dans le chat. C'est le combat qu'il y a entre justement euh, The Deep et Black Noir et euh, Stella, euh, La Crème et Eight Train, où on peut se poser la question de pourquoi ils n'ont pas tué The Deep. Pour vous, dans le chat, pourquoi ils ne tuent pas The Deep La Crème, je crois qu'il euh, parle de ça comme s'il disait, euh, The Deep, moi, je, je n'ai aucune idée de comment le tuer, donc euh, je ne vais pas vous dire comment le faire. Par contre, eux, ils savent comment le faire et j'ai pas envie d'être là au moment où ils trouveront. Est-ce qu'ils ont peur du retour de Black Noir et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas prendre de temps d'essayer de le tuer parce que euh, The Deep, enfin, il a un pouvoir particulier qui lui permet, genre, de pas se prendre de balles. Ou, euh, alors, tu lui mets une balle dans la tête ou tu lui coupes la tête bien sec ou quoi, The Deep meurt, non The Deep, il n'est pas, euh, on va dire, imperméable au pas Il n'est pas boulette-proof, euh, hein, je crois. Hein. Alors, la question était y avait-il pas l'opportunité, quand même, de, euh, de l'éliminer Ben non, il n'est pas si résistant que ça. Donc moi, c'est la question que je me posais, c'est Black Noir peut revenir à tout moment, mais y avait-il quand même pas l'opportunité, quand t'as le, le, le poids de muscle en métal qui est juste là, bah de demander, je sais pas, à a Train de faire un truc hyper rapide, genre bam bam, tu vois, ça lui coupe la tête, on n'en parle plus. Ça, c'est d'un point de vue cohérence nar narratif par rapport à ce qui se passe dans la série. Où je suis un peu en mode, bah il n'y avait pas la, il pas la possibilité de le tuer. Bah ils ont peur de Black Noir, mais ils peuvent buter The Deep et puis se barrer après. Tu pouvais le tuer avec les branchies. Ouais. Moi, c'est ça que je comprends pas trop, c'est que dans l'épisode, pour moi, il y avait une réelle possibilité de, de tuer The Deep. Alors, tu, moi, quand je l'ai vu, je me suis pas forcément dit que The Deep allait mourir. On sent qu'il y a encore des écritures à avoir sur lui. Mais j'étais étonné de voir comment c'était amené. Après, euh, c'est euh, comme bah, finalement beaucoup de choses hein, au cours de. Euh, au cours de euh, de l'épisode et au cours de la saison en règle générale, je trouve que malheureusement oui, ça manque un peu de euh, bah, ça manque un peu de, 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 de voilà de continuité narrative, ça manque un petit peu de matière. Il y a beaucoup 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 de pistes, beaucoup de choses extrêmement denses à discuter. Et là pour le coup, on manque peut-être un petit peu de euh, voilà, on manque peut-être un petit peu de euh, bah, de matière pour faire pour changer la donne quoi. Du métamorphe on a l'origine, bagarre impressionnante, 6 de jury au Bah, Je pense qu'on a déjà à peu près euh, fait le tour. On peut peut-être parler de, ouais, de, encore une fois, de l'impact de euh, Kessler euh, sur, euh, sur, euh, sur Butcher. Butcher qui tombe une nouvelle fois dans les pommes, cette fois en public, hein, justement, avec le sourire un peu sadique de Butcher derrière, où il se dit qu'à un moment donné, euh, c'est peut-être les dernières heures de Butcher, donc Butcher aura peut-être plus, à mon avis, de. Euh, bah, de euh... De, 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 de... Il sera peut-être plus enclin à venir le voir. Moi, je l'ai pris un peu comme ça. C'est-à-dire, tu es dans tes dernières heures, tu sais que le temps est compté. Euh... Tu auras peut-être plus de, de, de temps pour venir me parler euh, en mode moi, Kessler, et essayer d'avoir le, le côté obscur qui s'empare de lui à cause justement de la maladie, etc., plutôt que le côté lumineux. Parce que je crois que BK n'était pas là, hein, dans l'épisode. Là, on peut remarquer un truc. En général, tous les épisodes où il y avait euh, Kessler et, 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 et euh, avec Carl euh, Urban, il y avait quand même toujours la présence de, de Becca. Là, Becca n'est pas apparu. Ça veut peut-être dire ce que ça veut dire aussi, comme quoi, bah peut-être que Butchler, lentement mais sûrement penche un petit peu du côté de Kessler. Ou alors ça veut dire que Kessler, étant son côté obscur, bah, va user de cette euh, méthode-là, va user de, 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 du fait qu'il soit pas bien et va s'accrocher un petit peu comme une moule sur un rocher pour, et eh ben bah, euh, le, le, voilà le, le, le la gripper encore plus et lui faire de plus en plus euh, aimer le, le côté obscur. Même principe que Star Wars avec Anakin et Palpatine. Hein. Plus, moins Anakin va bien, plus il se pose des questions, plus la présence du mal est, est là pour te choper en plein vol. Et là, c'est peut-être ça. Comme, comme Butcher est pas bien physiquement et mentalement, ah, peut-être que Kessler prend d'autant plus d'importance parce que le côté obscur vient euh, de plus en plus. Peut-être que son côté obscur est plus puissant que le côté lumineux. Peut-être aussi. Après... Encore une fois, c'est des questions de nuances parce que paradoxalement, Butcher, on ne l'a jamais vu plus humain que dans cette saison. Que ce soit avec Ryan, que ce soit seul, que ce soit avec la crème, que ce soit dans ses discours, que ce soit avec des lapins, que ce soit avec des trucs. On le voit beaucoup plus humain qu'avant. La mort arrive aussi, donc forcément, il y a une manière de racheter ses fautes. Non, le mec est supposé bosser pour le cercle du soleil version vôtre à la base. Ah, j'avoue, ouais. Normal que niveau fight, il y a du lac. Le mec a été recruté en tant que figurant de base. Bah ouais, c'est pour ça. Oui, 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 oui. Bon, c'est pour ça que je trouve que cette scène-là aurait peut-être mérité, elle était cool au début, et elle aurait peut-être mérité un bras plus. Je pense. Non, ils sont pas au courant que le premier noir est mort, mais il y a un laps de temps quand même. Je veux dire, t'as A-Train avec toi, il prend la, le, 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 le disque, il fait son truc d'avance rapide, il tranche la tête bien proprement de, de, de The Deep, ou il lui écrase la tronche avec. Si tu regardes l'épisode, ils ont vraiment le temps avant que Noir revienne. Donc, euh, c'est la question de très peu. Surtout que, bon, l'arrivée de, de Noir, d'accord, mais moi, je trouve que la crème qui dit, tu sais comment tu es un truc comme ça, toi, comment tu es The Deep, parce que moi, non, je n'ai pas envie de prendre le risque. Ça se voit que The Deep, il n'est pas de la force du Homelander, quoi. Il se fait mettre KO plusieurs fois. Enfin, euh, lui, pour le coup, me paraissait plus légitime. Plus Noir, il est narcoleptique. Ah ouais, c'est ça, putain. Je suis fatigué de The Boys. La scène où il s'endort est un Carl Urban qui le regarde en dans... Putain, merde, il est narcoleptique. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire. C'est n'importe quoi, mais j'étais mort de rire. Tu penses que Butcher va montrer ses pouvoirs dans le dernier épisode Peut-être. Ça dépend toujours. On l'avait vu dans un des épisodes où il y avait un membre de la religion là, euh, qui était mort. Euh, alors, où ça avait été une boucherie. Et où justement euh, Butcher avait dit ah non, mais Moi je sais pas euh, je, je me suis, je suis tombé dans les vapes Je me suis réveillé il était comme ça On sait pas vraiment si c'est lui ou pas Moi je pense qu'il y a des chances hein, Que ce soit lui ou ouais, qui a tué euh, Ezekiel Possibilité aussi qu'à la fin de l'épisode Là on le voit utiliser ses pouvoirs J'ai euh, Avant de, de, de conclure là pour ce soir euh, C'est Kessler Bah Kessler n'existe pas Donc ça risque pas d'être Kessler qui pratique ça Kessler est une, hallucina... enfin, une hallucination de, son, euh, de sa maladie. Mais euh... est-ce que vous pensez que Butcher peut partir à la fin de la saison ou pas là Est-ce que vous voyez un monde où euh, possiblement Butcher ne survit pas à la saison 4 Non, moi non plus. Hein. Ouais, pour moi, non, ça survit. Hein. Pareil, je pense que c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. C'est mort mon gars Non, puis ils en ont besoin, mais c'est ce que je disais par rapport à l'épisode aussi, par rapport à l'écriture avec Ambrosius, qui est quand même... Bon, il y a trop de, je pense, pour le coup trop de matière et trop d'histoire un petit peu à droite à gauche, etc. Trop de choses dans ce délire. Et malheureusement, je trouve qu'on a roché quand même beaucoup de pan-narratifs. Il n'empêche que celui du Homelander, celui de Butcher sont parmi les plus intéressants. Celui de Butcher, lui, n'a pas été rushé. On a vraiment pris le temps et je trouve qu'il a été très bien écrit. Parce qu'il y a encore trop à faire avec Butcher, tant en milieu de saison 5. Est-ce qu'on sait combien d'épisodes aura la saison 5 Ils vont en faire plus pour l'occasion ou ça restera 8 Je pense qu'il y a des chances que ça reste 8. Hein. Par contre, Yui, hormis dans l'épisode avec son père, il est beaucoup en retrait. Bah ouais, là il est là. Euh... Là il est là pour le, le traitement de Stella maintenant, mais encore, c'est très peu quoi. C'est très peu. Il a la séquence du métamorphe et il, il gère les choses avec Stella. Pareil pour le costume de Stella, toutes ces choses-là. C'est des traumas autour de Stella. C'est des difficultés entre l'humain et le super, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est. Euh... Mais, euh, mais oui, non, il est surtout là pour mettre en avant Stella. Alors, il a eu sa narration à lui avec le personnage de Simon Beck qui était bien. Mais c'est pareil, ça a duré un épisode. Je peux te le dire, le rapprochement du Diabolical et Butcher. Carrément, ouais, Zach, on terminera là-dessus. Ouais, carrément, dis-moi. Mais, euh, mais oui, oui, non. Euh... C'est vrai que... Euh... Bah ouais, on nous met plein de pistes et plein de scénars et plein de Alors après, c'est toujours un truc que j'ai un peu reproché à The Boys. C'est que en général... Euh, les grands méchants ne font pas plus d'une saison, à part, à part le Homelander. Première saison, c'était bah, justement euh, la nana qui lui donnait du lait, elle meurt. Deux, enfin, c'était le personnage voilà dont il qu'il fallait éliminer, elle meurt. Saison 2, Stormfront, c'est pareil. Saison 3, Soldier Boy ne meurt pas, mais il y a quand même une situation où on le termine à la fin. Là, saison 4, on va voir ce que ça va donner, peut-être avec Sage ou autre, ou des choses comme dans ce genre-là. Mais euh, on sort, où il y avait même euh, Goran Viznik. Le patron de la, de la secte là, dans laquelle se retrouve Aytrain, pareil, lui, il a là une saison, il meurt. Je trouve que c'est beaucoup. Les roulements sur les antagonistes, et les nouveaux antagonistes et les nouveaux héros se fait un peu trop souvent à mon goût. C'est-à-dire, là, c'est vraiment. Tu sens que quand tu arrives en fin de saison, il va y avoir des dégâts. quoi. Alors, c'est bien, mais quand c'est des dégâts de personnes qui sont là que depuis cette saison, en, en l'occurrence, c'est un peu plus dommage. Ils peuvent peut-être en faire 8, mais plus long, genre Stranger Things. Ouais, possible aussi. Hein. Possible aussi. Hein. Mais, euh, mais ouais, on verra. Apparemment, ils voudraient faire un film après la saison 5 pour clore la série. Pourquoi pas Pourquoi pas Un peu à la Peaky Blinders. Alors après, euh, c'est pas forcément les choses dont je suis le plus fan. Après, ça, tu vois, Soul, c'est pas forcément les choses dont je suis le plus fan parce que je sais à chaque fois comment ça se passe. Les films, on les a pas au ciné. Si on fait des films sur ça, euh, la plupart du temps, c'est pas au cinéma. C'est des trucs qui passent sur les plateformes. Et euh, bah moi, j'aimerais bien, moi, je voir un jour un film The Boys au ciné. Comme le film Peaky Blinders au ciné ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est rarement arrivé. La plupart du temps, c'est sur les plateformes ou sur les chaînes où les, les trucs se font. Donc, euh... bon, c'est encore différent. Dans un épisode de Diabolical, une femme a une tumeur et elle reçoit du composé V permanent. Et au lieu de guérir, la tumeur a pris vie et la tumeur est aussi la femme à développer des pouvoirs comme d'accord ok ouais ok ok oui donc je vois le je vois le rapport au et je vois le délire ouais pour donner un Oscar à Anthony Starr non mais Anthony Starr nommez-le Omi mais là il va y être tout le monde s'est plaint qu'il y était pas tout le monde s'est plaint qu'il y était pas avant avec la séquence qu'il a fait là donc euh, pour moi là euh, c'est bon là, là c'est son année hein. je sais pas s'il gagnera mais tu ne peux pas ne pas de nommer Omi Award après la performance qu'il a fait euh, Anthony Starr si t'as un minimum de bon sens, tu le fais, c'est obligé, c'est obligé. Il le mérite de ouf. Enfin, on se rend pas compte en fait de la qualité de l'acteur. Il devrait. Hein. Je sais même pas. The Boys a déjà eu des nominations ou pas encore Ils ont déjà eu des, des nominations, des récompenses ou ils ont toujours resté vierges de tout euh, dans les grands trucs, genre Golden Globe, Emmy Award, etc. Je sais même pas si The Boys a déjà été nommé. Y a qui qui peut le battre Plein de monde, plein d'acteurs, des gars qui viennent de séries moins connues, ou des gars d'HBO, ou des trucs comme ça. Je veux dire, si ça fait la saison 2 et 3, et des stratosphériques, le mec, il n'est pas nommé. Donc euh... Puis même The Boys, pas... après The Boys, c'est trash. Est-ce euh... est qu'ils ont forcément envie d'aller euh... avoir euh, ça dans leur truc Je ne suis pas sûr. Est-ce que, est que les Golden Globes et les Emmy sont euh, trop politiquement corrects pour accepter une série comme ça Ça, malheureusement, il n'y a qu'un pas. Hein. Mais bon, le plus gros boudage. La plus grosse offre, le plus gros, euh, ça reste Better Call Saul. Et on s'arrêtera évidemment là-dessus pour aujourd'hui. Mais alors quand on voit que Better Call Saul a toujours été nommé, n'a jamais rien gagné, alors que c'est une des plus grandes séries de ces dix dernières années, ça, ça me fait doucement rigoler quand même. Rien, rien, nada, niente, peanut pas la queue d'un radis pour, euh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est pas, pas normal, c'est pas normal. Euh, sur ce, merci d'avoir été là. Euh, Rendez-vous demain, les gars, hein, pour la première écoute de l'album d'Eminem en pleine forme. On se fera ça évidemment en légende. Live dispose sur la chaîne secondaire dès demain, euh, normalement, euh, avec délectation. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain, 20h30, pour l'écoute de Eminem. Des bisous.